وي سيدي دي توالي انت كيو 5 مازال تكمل لك كي غنبدا نسوي كي تيدي وينينك واث مثلا غير مازيان الماروك لا غاني شدن غا يعني كي تخدم كثر بعث من الماروك فوتبول دي فيفا زوج 2022 دي قطر داني الصراحه اني تيك تم زوج ديك مزروين تفريق مزروين تمزغا مازيان كي كي غان كان ثاني بعث تصوض الا ما رزقن انت كان نتقبوا شنو مظل فوتبول وكنا المسلاي ديك نظام اكد نفقينا راح رشيد انت ذا سلوين وكيراو اما ظلنا مزير ماشي السي ام ا ماشا لاسومبلي مونديال مزير هذا ديال سواس عندك نسهم ايوا شو لان كيسين السيني غير مسا مس راح رشيد الزلف لك الزلف لون مس رشيد و هاد سميتيا كان ماس رشيد راحا يس الحي ونغميس انت تمطوطيس امينه سواز اللي سنمتيك ونون سينا اما الله مزيرنا العالم الامازيغي ديو نغميس شحال يسقوسنا كيلحو ويسعى دوين الا غطاس طاس يشبح مليح ستاثان توثلايين ماس مزير الصعراف فرانسيست ما شان عندنا ويب سلايتي كلتان غا فيوث طفرات سوا زالي سيكورا ما سراشي الدراحة كي تتولي مكا سوا زول لكي انت فرانسيس فرانتيستاسيون كونتر لو راسيزم دي تي في ماروكان ديو طفرات سي يوزن اي مسا لطيفة اخر باش قلان ذنتث اي تسلويث مويني منقار ثودسا ثونيكت انتيوالت انطير نس لي زغي مازال مثل نيك قبيليت باش سوميت لا بريزيدون دو لا اوت اوتوريتي دو لا كوميونيكاسيون اوديفيزيال دو رويوم دو ماروك وسميت لي داك انت غوالن تفهم دارني تود سيك لين او نيفو نات غوسوير نتفريق فكي تولي مثول فكين لكن ديو تبغات يعني دي يورانس ستارات اسبانيولي ثلاثة كيرا كي تولي ماكاتورا رئيس التجمع العالمي الامازيغي يشكو لي اخر باش عنصرية الاعلام العمومي ضد الامازيغ والامازيغيه سقسيو مزرون مس رشيد راحه ذا شو كي صوضن كيس كي فوزا بوسي اكير سيت ليتر Mais en fin de compte, ça fait longtemps que j'ai écrit. À chaque fois, je les rappelle à la presse, surtout aux journalistes marocains. Et ça fait 2 ans, j'avais envoyé une lettre protestant contre la ligne éditoriale de France 24, qui utilisait beaucoup le terme Maghreb arabe, pour lui dire que le Maghreb, l'Afrique du Nord, n'a été jamais arabe et ne le sera jamais. Malgré cela, j'ai pas eu de réponse de la part de Marc Serekali, qui était directeur à l'époque. Et heureusement, il y a eu une rencontre de journalistes internationaux à Tunis. Et j'ai eu l'occasion, en plein congrès, où il y avait plus de 500 journalistes venus des deux rives de la Méditerranée. Et je lui ai donné la lettre en main. Et je lui ai rappelé que le Maghreb, pardon, il a toute une histoire, il a une identité propre, et surtout qu'au Maroc, notre actuelle constitution, depuis 2011, on ne parle plus de Maghreb arabe, sinon de Grand Maghreb. Et je lui ai rappelé, en plus, France 25, il a eu le mérite de faire le scoop mondial lorsqu'il y a eu la découverte de l'homme des routes, comme quoi c'est l'ancêtre de l'humanité qui a 315 000 ans et ça a été retrouvé au Maroc. Ça veut dire toute l'humanité, les Arabes inclus, sortent d'Afrique du Nord. Et en plus, en étant en Tunisie, je lui dis l'ancêtre de la civilisation amazigh, c'est les Capciens. Alors l'homme Capcien, ça a été retrouvé à Grafsa en Tunisie. Malheureusement, ils ont continué sur la même longueur d'onde, la même chose certaines chaînes nationales marocaines et surtout concrètement MD1-SAT. Ils continuent à utiliser la terminologie maghrébine. Alors lorsqu'il y a eu ce mondial, qui s'est distingué l'équipe marocaine, on a vu que les panarabistes ou les idéologues arabes, ils voulaient s'octroyer les mérites de l'équipe marocaine. Alors, à chaque fois, ils disaient
la fierté des Arabes, l'équipe arabe a été gagnante devant de grandes équipes comme le Portugal, la Belgique ou le Canada même. Même lorsqu'il a perdu qu'avant-hier avec la France, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils ne disent pas l'équipe arabe, ils disent l'équipe marocaine. Lorsqu'elle a perdu, il n'est plus. C'est vrai. Lorsque le Maroc gagne, elle est arabe. Lorsqu'elle perd, elle devient marocaine. Elle devient marocaine, toute seule. Et malgré le fait, notre sélectionneur, Walid Regragui, dans ses conférences de presse, il a tout le temps, il insiste comme quoi l'équipe marocaine représente le Maroc et représente le continent africain. S'il y a des mérites, c'est pour le continent africain. Du fait qu'il est resté dans les demi-finales, parmi les autres, ils étaient éliminés, les autres quatre sélections ou équipes africaines, comme la Tunisie, le Sénégal et autres. Ce qui est bizarrement, c'est que lorsque le Maroc avait demandé sa candidature pour la Coupe du Monde, je me rappelle bien, de 2032, je crois, ou 30, 2030. Non. Pour relater l'histoire, moi, je suis bien cette affaire-là. Lorsqu'elle a été programmée, normalement, pour la Coupe du Monde qui va venir en 2026, que maintenant, c'est les États-Unis, le Canada et le Mexique, et ben, c'était prévu sur le Maroc, parce qu'il y a eu des votes. Les pays arabes, en majorité, ils ont voté pour le Canada, les États-Unis et le Mexique, et non pas le Maroc. Et maintenant, ils veulent se croyer le succès du Maroc. C'est ce que vous voulez dire, Rachid, c'est ça? Exactement, Rachid, tu as bien fait de rappeler cet événement parce que c'est vraiment important. Et les Nord-Africains, à leur tête, les Marocains, ils n'étaient pas du tout contents. Ils étaient écœurés. Où il disait « Où est cette solidarité entre parenthèses arabes ? Où est cette solidarité entre les musulmans ? Où il est un tas de choses ?» Et on a eu des attaques énormes de la part des Saoudiens, des Qataris, des gens des Émirats arabes et du Koweït. Ils disaient, et ils avaient raison, que nous, les Nord-Africains, on était de faux arabes. On n'était jamais des arabes. De faux arabes, on était des berbères, des barbares, des sauvages, un peu du tout. Et maintenant, ils ont tout oublié cela. Lorsqu'ils ont vu l'équipe marocaine, ils marquent et il a dépassé les premières phases, ils s'octroient la dite victoire. Et heureusement, il existe les réseaux sociaux. Des jeunes Amazigh un peu partout qui sont conscients de leur identité, fiers d'appartenir à la nation Amazigh, il faut le dire carrément. Ils se sont révoltés, ils se sont protestés, et ils ont ressorti tout cela. Et c'est un peu ce qui m'a appelé lorsqu'on regarde les origines des joueurs de l'équipe nationale marocaine. Justement, Rachid, c'est ce que j'ai aimé dans votre communiqué qui est envoyé à Mme Kharbash Latifa, c'est que vous avez cité tous les joueurs qui sont d'origine amazigh marocaine, qui sont élevés exactement, que ce soit en Hollande, que ce soit en Belgique, que ce soit en France. Vraiment, vous avez fait un travail formidable. C'est ce que j'aime beaucoup en Rachid Rahat, c'est qu'il est toujours présent quand il faut être présent. J'aurais aimé tous les médias, tous les hommes de presse et de médias amazigh dans le monde soient comme lui. Il doit toujours interpeller comme il a fait avec France 24 concernant le mot Maghreb arabe que la France continue à traîner jusqu'à date. Continuez. Donc, parlez un peu de ces noms-là, amazigh, dont Merabet. Merabet, il est originaire de ma propre province qui est Nador. Alors, c'était normal que la majorité de ces joueurs, qui sont même nés en Europe, qui ont eu des expériences professionnelles avec des équipes européennes, soient dans leur grande majorité d'origine amazigh. Pourquoi?
Parce que dans les années 60, il y a eu un peu la répression, surtout de la région du Rif et au moindre degré du Moyen Atlas. Alors, l'État marocain, à l'époque, avait encouragé l'immigration des zones, on va dire, montagnards ou périphériques ou marginalisées qui sont habitées par des amazérophones. Alors, c'est pour cela que la grande immigration, la grande majorité des 5 millions de Marocains qu'il y a en Europe et au moindre degré en Amérique du Nord sont originaires de ces deux grandes régions concrètement, le Rif et le Sousse. Et dernièrement, une nouvelle immigration vers l'Italie, ça vient du Moyen Atlas. Alors, c'est normal que ces joueurs qui de l'immigration, ils ont ses origines de ces zones. Surtout, il y a une particularité que vos locuteurs devront savoir, c'est que les Amazirs de Sousse, ou on va dire, ou les Amazirs de la Kabylie, les Kabyles, ils se concentrent tous juste dans un pays européen, qui est la France. Par contre, la particularité des Rifains, on les trouve un peu partout, en Espagne, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, et même dans les pays du Nord, en Norvège, en Finlande. Le Canada, le Canada, le Canada aussi. Et le Canada. Et c'est pour cela, lorsqu'ils ont repris des joueurs dans des sélections, c'est grâce à Regragui, lui, il est né en France, d'origine amazigh, rifaine, on va dire, de fenêtre de Tétouan. Alors, il a repris et on s'est révélé qu'une grande partie sont originaires de la région de Rif. Il y a aussi des Amazirs de la région du Sud-Est. Ils ont même fait intégrer un Amazir de Libye dans la sélection. Donc voilà, donc Rachid Drahan, Tsmikakan, Lyon, Mournasam, Fahan, et Kirid Tudor, qui est un peu en espagnol, et Tsmislaim, qui est un peu en espagnol, et qui est un peu en espagnol aussi. Machin, et Gosnakin Gouran, il m'a dit que c'est l'armée secondaire à Madala Mazir, le Maroc, qui est un peu en espagnol, et nous sommes en espagnol, le Maroc. يخدم القديش يجرزنا طاس طاس يال تيكلتي أن داني لقد سفقين الصوت نار ثوغني وين مزيغان يتيل يعني اللي رانديفو يلي توجو بريزان او رانديفو دونك maintenant peut-être un autre aspect qui a je dirais qui est devenu la résie du monde c'est le régime algérien. Tout le monde était content des prouesses marocaines dans cette Coupe du Monde, y compris Joe Biden qui a parlé de ce match, qui a vu le match contre la France d'ailleurs hier, avant-hier, et puis aussi le président du Sénégal, Erdogan, beaucoup de personnes, l'émir de Qatar, l'émir des Émirats, tout le monde a parlé, tout le monde est content de ça. Et Macron qui est allé dans les vestiaires aussi, de l'équipe marocaine, sauf le régime algérien, qui est allé au point où même il a viré le responsable directeur général des télévisions publiques algériennes, rien que parce qu'il a cité le mot Maroc, une de ses télévisions qu'il gère. Donc, c'est quoi l'impression ou la réaction de Rachid Raha? Effectivement, aujourd'hui même, un cousin à moi d'Espagne m'a envoyé un article d'un Espagnol. Disons que les Marocains, ils ont fait la gloire de 400 millions. Pour lui, il calcule un peu ce qui est le monde arabe. D'ailleurs, c'est ce qui. Je m'excuse, Rachid, c'est l'émir de Qatar, en inaugurant cette Coupe du Monde, qui a prononcé ce mot comme quoi l'organisation de la Coupe du Monde à Qatar, ce n'est pas l'affaire de Qatar, c'est l'affaire des 400 millions d'Arabes dans le monde, y compris toi, Rachid Raha, y compris toi, Rachid. Nous sommes dans le monde arabe. Alors, je lui dis, tu sais, le mérite, ce qu'a fait le Maroc avec ses exploits sportifs, c'est qu'il a uni tout le continent africain. Juste le continent africain, il y a 1,4 milliard de personnes. Il a fait la joie de tout ce continent, sauf bien sûr deux personnes qui ne sont pas du tout contents, qui est le général Saïd Jenkriha et le président algérien Abdelmajid Tebboune. Par contre, le peuple algérien, il a partagé la joie
comme le reste des peuples d'Afrique du Nord, que ce soit les Tunisiens, les Libyens, les Mauritaniens, avec le peuple marocain. Marocain. C'est ça un peu là, ce que ça ne s'explique pas, c'est cette haine, on va dire, des gens qui dirigent l'Algérie, d'être à l'opposé du peuple, à l'opposé de cette union d'Afrique du Nord qu'on veut tous, que ce soit uni sur des bases solides, sur des bases anthropologiques, sur des bases historiques d'une histoire partagée. Je vais vous confesser, Rachid, je viens de perdre ma mère, ça fait une semaine presque. Toutes mes condoléances, Rachid, toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Eh bien, ma mère avec ma tante Fadma Al-Hamouti, ils ont aidé à l'époque avec le cousin de ma mère, Mohamed Mkhadar Al-Hamouti, on l'appelle ici Jundil Ifriqi, la révolution algérienne d'une façon incroyable. Et lorsque Boudiaf, il était en ador, il était malade, ma mère était son infirmière pour qu'il se sorte de cette maladie à côté de ma tante Farma. Ça veut dire, lorsque les Marocains, on a pris les armes, et mon père faisait partie de l'armée de libération marocaine, en seconde 4, les mêmes personnes ont aidé tantôt, disons, la génération de nos parents dans la région du Rif, plus concrètement, dans la province de Nador. En même temps qu'ils aidaient la révolution, on va dire, au Maroc, ils aidaient la révolution algérienne. Il y a un fait, il faut que le peuple algérien le sache, malheureusement, on ne sait pas ça dans l'histoire, que Abbas Msaadi, qui était le chef de l'armée de libération marocaine, il a été assassiné sur ordre de Mehdi Bombarka parce qu'il lui avait dit « Nous, on ne va pas laisser, on ne va pas déposer les armes tant que l'Algérie ne prenne son indépendance ». Ça veut dire cette solidarité entre les peuples, ça existait depuis toujours. Et en plus, il y a ce fait durant la colonisation, il y avait des milliers de Rifains hein, qui allaient dans l'Oranais et travaillaient dans l'agriculture. Et Houari Boundine, il a fait, on va dire, cette violence d'expulser des milliers de Marocains qui entretenaient l'agriculture en Algérie d'un seul coup, comme disons en 76, comme une façon de faire pression sur le Maroc en appuyant le Polisario. Et cette expulsion, à la fin, s'est traduite par la détérioration du tissu agricole en Algérie. Et ce qui a permis toujours que les zones rurales soient toujours le foyer d'immigration, que les gens, pour s'en sortir, ils ne devaient que prendre leur bagage et immigrer en Europe et en France. Et ces agriculteurs, c'est incroyable, mais vrai, c'est eux qui cultivent les meilleurs vins du monde, ça veut dire les vins de Bordeaux. Et malgré le fait, la génération première ne boivent pas du tout le vin du fait qu'ils sont des musulmans pratiquants comme ils ont hérité de leurs grands-parents et de leurs aïeux. C'est ça, la solidarité entre les Marocains, ça existait toujours. Et je vous donne un exemple, parce qu'on n'enseigne pas l'histoire dans les manuels, que ce soit chez vous, ce soit chez nous au Maroc, parce qu'il est falsifié par ces idéologues arabistes qui veulent nous donner une identité artificielle, comment dirais-je, obligatoire, qu'on ne la veut pas, et qui contredit toutes les recherches archéologiques qu'il y a eu, les monuments historiques qu'ils ont laissés, les Romains, ou le rôle qu'ils ont les Amazigh, non les Arabes. À faire la diffusion de la religion islamique un peu partout. Et vous avez le mérite
que les Almoravides, c'est grâce à eux que le rite malikite, c'est le rite, on va dire, dans l'islam, le plus tolérant qui a été propagé du Sénégal jusqu'au nord d'Espagne. Et ce rite, maintenant, les Européens, ils en veulent pour faire face aux Wahhabites du Proche-Orient, des salafistes qu'au Qatar finance, et on voit que partout, et que ça donne malheureusement des jeunes qui tombent dans ces réseaux terroristes. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il y a eu la guerre de Rif dans les années 20, l'étoile nord-africaine, qui a eu à Bordeaux, ça a été créé en solidarité avec la révolution rifaine. Et c'était de la part des Algériens, et c'est là où ça a créé le noyau pour des gens comme Abbas Farhat, si je me rappelle bien de son nom, on va dire l'un des fondateurs du nationalisme algérien. Farhat Abbas, qui s'est inspiré de la lutte de libération de Mohamed Abdelkrim Al-Khattabi. Et ce qu'on ne comprend pas dans l'actualité, que des généraux qui n'ont bien sûr aucune légitimité, ni populaire, ni historique, ni rien, ils n'ont jamais fait de guerre de libération. Ce qu'on sait par exemple sur Jean Greha, il a participé un peu dans la guerre des sables, il était emprisonné avec les Marocains, et de là il a entretenu une haine incroyable à l'encontre du pays frère qui est le Maroc. Et c'est un peu ça, le ballon. Il unit tous les peuples, il a uni toute l'Afrique, il a uni le monde musulman. J'ai dit même, avec le match contre la France, il y a eu même des peuples chrétiens qui étaient à nos côtés. Les Africains, c'était les Espagnols, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Portugais. Tous les voisins de France, ils étaient en faveur avec les Marocains, y inclus les Israéliens juifs. Ça veut dire... Okay. C'est incroyable, ça n'a jamais passé dans l'histoire. Et c'est ce que j'ai dit à notre ami journaliste Hamou Hasnaoui que j'ai interviewé avant vous, Rachid Rahaz, et que le grand mérite de cette participation marocaine et le succès qu'elle a connu à cette Coupe du Monde, c'est que le Maroc, qui est le centre névralgique de Tamazra, parce que c'est le plus grand pays berbère du monde, est devenu le centre de toute la planète. Qui aurait dit que Joe Biden, Blinken, le secrétaire d'État, y compris le plus grand homme d'affaires du monde, le plus riche du monde, Elon Musk, aurait dit un mot de congratulation pour le Maroc. Comme tu dis, les chrétiens, les juifs, les arabes qui veulent faire passer le Maroc comme un pays arabe, les musulmans, les africains, les amazirs, en un laps de temps, le Maroc est devenu le centre de la planète. C'est ça le grand mérite de cette... mais simplement, comme j'ai dit à Hamou Hasnaoui, dorénavant, les Amazirs, ils doivent être, ils doivent pas être frileux, ils doivent être comme vous, Rachid Rahab, très très présents. J'ai cité l'exemple du drapeau palestinien. Les Marocains, l'équipe nationale marocaine, moi je l'ai suivi depuis longtemps, c'est pas comme l'équipe nationale algérienne, qui est très idéologique, ils mettent toujours le drapeau palestinien, même parfois le drapeau pour les joueurs algériens, le drapeau palestinien il est plus important que le drapeau algérien. Alors pour la première fois, on a vu le drapeau palestinien dans les joies des joueurs marocains. Mais moi, j'ai suivi à peu près de loin, je voyais qu'il y a des idéologues à l'intérieur de l'équipe marocaine, qui est peut-être, ou bien même c'est des espions, qui ne sont même pas marocains, qui étaient dans le stade, ils ont jeté le drapeau palestinien à un joueur qui l'a ramassé naïvement, et puis ça fait le tour de la planète. J'aurais aimé que les Amazirs fassent la même chose, j'aurais aimé voir Raha Rachid présent à cette Coupe du Monde, Hasnaoui, et ramène les drapeaux Amazirs et les donne aux joueurs réfins, aux joueurs comme ça. Ça aurait changé la donne, parce que maintenant, il ne parle que du drapeau palestinien. C'est ça. Faites attention aux manipulations. C'est ce que vous allez éviter la prochaine Coupe du Monde au Canada. Personnellement, pour moi, c'est difficile que je mette mes pieds au Qatar ou en Turquie d'Erdogan. Moi, je l'ai écrit non sur blanc.
ils étaient les principaux, on va dire, qui ont appuyé le Daesh. Hein, il appuie toujours. Hein, maintenant, on a une population qui est menacée de génocide ethnique, qui est les Touaregs d'Azawad. Et ça à cause du danger du Daesh. Et si tu analyses qui finance le Daesh qui est derrière, tu trouves le Qatar. Et malheureusement, avec la complicité des services d'Algérie, il faut. Bon, malheureusement, il faut dire la chose, et je l'ai dit un peu partout. Moi, je ne me casse jamais des vérités qui existent avec des arguments et. Des articles qui ont été publiés un peu partout. Mais non plus, c'est simple l'idée qu'ils ont, les gens du Proche-Orient, c'est un grand danger pour nous, les Amazigh ou les Nord-Africains tout en entier. Si à l'époque, Kadhafi, il voulait arabiser l'Afrique, les Qataris et les gens du Golfe, ils veulent islamiser. Pas islamisé dans un islam ouvert, non, wahhabisé l'Afrique. Et ce truc de groupes terroristes dans le Sahel, et dans même l'Afrique noire, qui attaque le Kenya, qui attaque le Nigeria, un peu partout, c'est un peu leur, on va dire, leur stratégie, en quelque sorte. Et nous, dans l'Afrique du Nord, on doit être solidaires les uns les autres et freiner cela. Et on peut le faire que les populations autochtones, qui sont fiers de leur propre identité, pour stopper cela et être solidaires avec nos frères Touareg, qui sont les Libyens, en première ligne contre ce grand danger terroriste et islamiste. Peut-être, comme tu dis, ce mondial, ça va nous permettre, tu as raison Rachid, il faut se mobiliser plus maintenant, parce qu'on a réussi à que des commentateurs de Qatar ou sportifs arabes un peu partout de reconnaître l'élément amazigh, même dans leurs commentaires ailleurs. وانت شنو الحكي المنتخب العربي والعروبة كابتن هذوما ناس والديهم هجروا من الريف المغربي كلهم امازيغ وبربر شوف الاسماء نتاعهم ومشاو لهولندا ومشاو لاخر ومشاو لكندا بونو ومشاو لاخر وجات ولاد وجاو عندهم مهارات باش عطاوا الاشعاع العالمي للمغرب يقول لك انا المغرب هي عاصمه العالم اصبحت الانتصارات التي حققها منتخب المغرب في مونديال قطر وتفاوت أسماء وهويات اللاعبين المغاربة تعود إلى الأذهان قضية الأمازيغ دورهم وجذورهم cette amazighité, cette identité qui véhicule des valeurs humaines qu'on a les Amazigh doit être le moyen de nous unir plus contre, on va dire, ces dirigeants qui se croient des Arabes venus d'ailleurs. Comme a dit Messini, ça fait 2000 ans, l'Afrique appartient aux Africains. Et dans l'Afrique, il y a une population blanche, ce sont les Amazigh, et une population, bien sûr, de couleur au peuple saharien. Et à la fin, les gens ne comprenaient pas. Comment se fait-il que le Maroc, ils étaient tous blancs, et l'équipe française, ils étaient tous noirs. Et à la fin, ça a ressorti un peu dans les commentaires, ce que la France, elle est devenue une puissance sportive sur le dos des Africains. Et là, je vais revenir un peu à l'histoire. C'est l'idée, lorsque Ho Chi Minh, avait enclenché sa guerre contre les Français. Alors, il a envoyé une lettre à Mohamed Abdelkader Khattabi qui était au Caire, exilé, bien sûr, là-bas, réfugié politique. Il lui a dit, Abdelkader, je ne comprends pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il lui a dit, je fais la guerre contre les Français, la colonisation française, mais sur le champ de bataille, je trouve des Marocains, des Algériens, des Sénégalais. Il lui dit, c'est pas normal. Et Abdelkrim de lui répondre par une autre lettre, il lui dit, et qu'est-ce que tu crois lorsque je faisais la guerre du Rif de 1920 à 1926? J'avais toujours devant moi
des gommiers marocains, on va dire des soldats algériens et des Sénégalais. C'est un peu cela. Mais ce type de mercenariat qu'a la France à faire par rapport à l'Afrique et par rapport à l'Afrique du Nord doit cesser. Et je crois que les Marocains ont donné cette leçon, qu'on est capable d'y arriver à être les meilleurs sportifs d'Afrique, et pourquoi nos cerveaux n'arrivent pas à créer de l'intelligence artificielle, à créer des projets industriels, des projets informatiques, et unir ce grand continent qui est l'Afrique du Nord et être le pont entre l'Afrique et l'Europe ou le monde occidental. Tout à fait, mon cher Rachid, on aurait aimé que cette prouesse footballistique sportive marocaine soit aussi un exemple à suivre et qu'il soit dupliqué aussi dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la science et de la technologie. C'est ce qui a fait dire à un ami, il a écrit quelque chose de formidable dans un post, il a dit, récapitulant, le roi du Maroc, Jamel Debbouze, pense que l'équipe du Maroc est arrivée en demi-finale grâce à eux. Les arabo-islamistes pensent que c'est grâce au djihad et à Allah et à l'islam. Les communistes pensent que c'est grâce aux ouvriers marocains de Belgique et de l'Afrique dilapidés par Total et compagnie. Les berbères pensent que c'est grâce aux lions de l'Atlas berbère. Les africanistes pensent que c'est les Français gagnent grâce aux Africains. L'extrême droite pense que la France gagne grâce aux joueurs blancs de l'équipe. Les Kabyles pensent que la France gagne grâce à Kylian Mbappé, qui est, nous l'oublions pas, de mère Kabyle. La gauche pense que le Maroc gagne grâce aux Chibani et la France grâce à leurs enfants issus des quartiers populaires. Les libéraux, enfin, c'est le dernier point qu'il a soulevé, pense que la France gagne grâce aux réformes et à l'argent dingue du Qatar. Enfin, chacun va de son refrain, et c'est avec ça qu'il va terminer son poste. Ils oublient tous le travail effectué par les centres de formation français et hollandais, notamment pour les Marocains. Selon eux, ils gagnent tous grâce à leurs origines ethniques, sociales, religieuses, etc. Donc, le mot de la fin, c'est grâce aux centres de formation français et hollandais. Donc, ça va donner à réfléchir. Le Maroc, maintenant, elle va servir d'exemple pour les autres composantes émergentes d'Afrique du Nord, pour aller vers la technologie, la science, la formation et dans tous les domaines, non pas uniquement du sport. N'est-ce pas, Rachid? Oui, effectivement. Il faut qu'ils nous donnent l'exemple pour aller dans les autres domaines et aller de l'avant. Donc, on évite. Moi, j'ai beaucoup apprécié un commentaire qu'ils ont fait. Peut-être la France ou l'Argentine, ils vont gagner la Coupe. Mais le monde a été gagné par le Maroc, a été gagné par les Abazirs. Tout à fait, tout à fait. Je vous laisse peut-être avec une recommandation, c'est que le prochain Coupe du Monde 2026, on souhaite voir, c'est sûr, ça va être aussi, et qu'elle ira plus loin le Maroc, et pourquoi pour aussi d'autres équipes nord-africaines, pour peu qu'ils laissent de côté les idéologies, les autres drapeaux, qu'ils mettent en avant le drapeau amazigh, on sera avec l'Algérie, avec le Maroc, la Tunisie, la Libye, s'ils partent, s'ils mettent en avant leur identité, sinon, faute de ça, qu'ils soient neutres, qu'ils se rendent compte à l'évidence que l'Afrique du Nord est une terre de Tamazra plurielle, multidimensionnelle, multilinguistique, multiconfessionnelle. C'est avec ça qu'on va bâtir la grande Tamazra, n'est-ce pas, Rachid? Effectivement, c'est bien dit. Vous avez raison, Pas Rachid. Et c'est notre rêve à partager entre tous. أي مزيغة عند مثلا مهيجي ثمانون 2026 ستي دحوم مدي الكندا عند دي الماري كان عندك خواني مزيغة أنا مدي قبليين دي ريفيين دي شاويين دي شلحيين دي مزيغ دي 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 شلحيين روح سوطاس سوطاس عند مثلا في الماروك نا ثمور أنت مزيغة عايلين تسكين دينا سوانا يني مزيغة سينيغ تنمير تطاسة تاسي رشيد راحة تنمير ثيك تنمير تاهم بس رشيد سوف داخل في مزيغة سوف داخل في مزيغة سوف داخل في تمزغة
ثوذر الثيث مزيغ ثوذر الثيث مزيغ ثوذر الثيث مزيغ غادي مسليني نقرا النماس غاشي درا حيلاندي نبقينا غايس الحيني ونبغميس وزاليس أما ظال مزيغ العالم الأمازيغي لوموند أمازيغ أكدغني غي لاندس الواي نوغرا وما ظلنا مزيغنا لاسومبلي مونديال أمازيغ نوي هاثم سليف لس يواد قساني ساني مليل دوذ ما ونظان دي سنت النظان دي قبيلي ندي مزيغنا ندمال لاندق مضا لاندي نقيمة دي ثلويث